C'est une fierté, c'est une grande joie. Les montrer dans la cathédrale là, je dis, hein, nous définis ensemble avec Monseigneur Paula, nous définis parler. Les montrer, me mettre à genoux et puis automatiquement, premier ça me fait, et bien mon cher, me font une dizaine de chapelets. Et me la prier pour l'église, et puis moi en même temps tout, prier, me dit Monseigneur Ligonde, me connaît, je suis content en pile pour te voir événement ça. Et me connaît que tout est dans le ciel là, cœur content en pile tout. Forme de tout, la grande joie que nous gagnons, c'est une grande joie tout, parce que c'est un lancement de signal, c'est signal de reconstruction pour moi, Port-au-Prince réel. Car Port-au-Prince, c'est un homme, une âme fondation. Je ne vais pas oublier l'étoile fondée, Port-au-Prince. Cathédrale, ça, son cathédrale, ancienne cathédrale, il était construit en 1770. Donc c'est tout début fondation Port-au-Prince, c'est cœur fondation Port-au-Prince que lié. Et c'est là, c'est dans les zones ça même que Port-au-Prince est construit. Donc c'est pour nous dire que vraiment, et la joie que nous gagnons aujourd'hui, hein, pour nous capables là aujourd'hui, hein, une joie vraiment extraordinaire en tant que fidèle catholique, une joie en tant que chrétien, car, et puis tout en tant que haïtien, car c'est toute l'histoire. Il y a toute l'histoire du pays. C'est là que Soulouk est couronné roi. C'est là que je suis des hommes, parce que tout premier. Et président pays, et c'est là toute cette ouverture, la première déclaration, tout. La grande déclaration de toute cette ouverture, le ralliement de cette ouverture, c'est ici hein, qu'elle a été faite. C'est là l'habitation, ça. Donc, son bagage extraordinaire pour nous, les nous là, je dis, hein, c'est tout le passé de l'Église, c'est tout le passé du peuple haïtien, le passé de l'Église qui se rencontre ici. Hein. Justement, nous connaissons ici, Monseigneur Ligonde était là, ça c'est important, ou même, dis-nous qui joue au senti que tu as créé. Mon cher, son bar extraordinaire, question sont posée là. Parce que pour moi, l'église est toute une tradition. Mon soeur Ligonde qui compte dans ciel là, qui est dans l'église, on appelle dans l'église triomphante. Et également, mon soeur Poulard qui est là, qui est l'église militante. Donc celle-là, dans l'église, dans nous parlons, l'église dans l'île en l'air, l'île tout. Et c'est joie ça, je dis, que nous gagnons. Et nous gagnons pasteur, je dis, qui est l'archevêque de Port-au-Prince. Que moi je dirais son papa spirituel lié, moi son papa lié pour moi, moi mais l'empile, lié même pile, lié même à mon soeur Ligonde, c'était papa petit et tout. Nous avons dit que grand joie extraordinaire, une communication extraordinaire, la famille Ligonde en tout, qui est une famille de prêtres que nous y avec mon soeur Ligonde, l'autre père encore, mais, et puis bon, par ça c'est de nous prêtres prophètes et quoi tout. Donc moi même toi on est qui militait dans l'église, dans toute famille moi, et son joie, une joie débordante pour moi en tant que catholique, moi en tant que haïtien et moi en tant que simple serviteur du Christ, car nous sommes tous là pour servir Dieu et servir l'Église. Nous avons été créés pour servir Dieu, louer Dieu, l'aimer. C'est ça que nous devons apprendre. Et c'est une joie extraordinaire pour moi aujourd'hui. Nous avons fini. Tu as aussi un bail qui est important là, dans la mémoire de l'Église. Tu as parlé de construction. Est-ce que vous même avez espoir de construction vraiment là pour faire notre pays par rapport à ce secteur-là? Bon. Faut me dire personnellement, c'est pas espoir que me gagne Chrad. Olivier Souvin dans Chrad, c'est nous faire plan qui validé par la mairie de Port-au-Prince, qui validé par le ministère de la planification qui a approuvé pour construire Port-au-Prince. Le vrai plan de la construction a été fait par le Chrad que moi que je préside. C'est-à-dire nous mettre l'argent pas, nous pas l'argent ni l'État ni l'argent et organisation internationale que le c'est propre l'argent pas nous mettez. Nous faisons ça dans le schéma de cohérence territoriale. Nous faisons tout ça, et le plan d'urbanisme de vrai Port-au-Prince qui est haïtien intérieur. On était environ une quarantaine d'haïtiens à travailler sur ce plan. Donc le plan existe, il est là. Et nous avons quand même, j'ai nous regardé dans la journée, nous avons pris au Port-au-Prince. C'est le signal qui est donné. Dieu, comme toujours, fait les premiers pas. Dieu a pris les devants. Monsieur, je pense que le signal est donné, nous allons avancer. Et je pense qu'en pile bonne volonté, je dis, hein, à travers le gouvernement, bonne volonté à travers le peuple haïtien, pour nous aller vers cette reconstruction, vers cette Haïti que nous vivons tous. Une Haïti qui est encore en gestation, je suis capable de dire. Mais monsieur, je vous assure, on la verra. Elle est déjà en mouvement et nous la verrons, cette belle Haïti. Elle est déjà en gestation. Merci en pile, monsieur, et contre qu'un bel bon travail à faire. Merci encore.